métamorphosable. Nous n'avons plus le temps. Métamorphosable, il faut partir à la gare. Métapsychique. Métapsychique dans le tiroir du bureau bleu. Métalangage. Métalangage sur le bord de la fenêtre. Métacognition. Il va pleuvoir. Métacognition avec ton parapluie. Métaphysique. Redresse-toi. Métaphysique et oublions tout ce qui s'est passé. Métaphoriquement. Si métaphoriquement, moi j'ai la vérité. Métallographie. Métallographie en position verticale. Métacarpe. Prends un sac et mets ta carpe sur le fauteuil. Métallique. Il faut avancer. Métallique et dépêchons-nous. Métacentrique. Tu dois frotter plus fort. Métacentrique vigoureusement. Métaphore. Enfile ton pantalon. Métaphore avec ton veston. Métallochromie. Tout ira mieux. Métallochromie dans quelques jours seulement. Métastase. Sur une seule jambe. Métastase le plus longtemps possible. Métamorphose. Je dois partir. Métamorphose et suis-moi. Métallurgie. Il fait froid. Métallurgie et un foulard. Métalloïde. Pour faire dadaïste. Métalloïde, ça deviendra de l'avant-garde. Métazoaire. Métazoaire et surtout, n'en parle à personne. Métalloprotéine. Sans trop de discernement. Métalloprotéine comme bon te semble. Métathématique. Il faut être plus précis. Métathématique dans le bon sens. Couper. Métallisation. Pour développer ta mémoire, métallisation et sois plus rigoureux. Métallifère. Descends l'escalier, métallifère et ferme la porte. Ferme la porte. Métabolisme. Viens chez moi, métabolisme et tout ira mieux. Métathorax. C'est plus facile. Métathorax devant la galerie. Métalinguistique. Dans ta salade, métalinguistique de l'huile et du vinaigre. Métaphase. Avec la main droite, métaphase et rejoins-moi au bureau. Métaldéhyde, surtout. Métaldéhyde, reste calme et tout va bien se passer. C'est fini. Oh, il en reste un. Il était isolé. Oh. Ah, plus c'est métallogique. C'est impossible. Métallogique de côté. C'est ça. Ça s'appelle le mensonge, le règlement ou le mensonge de la règle. Ça va? Je vais couper ce qui n'est pas bon. Est-ce qu'il le faut?
En fait, c'est la règle, c'est le règlement. Donc, c'est le mensonge de la règle. Comment ça vous est venu, cette idée? Hein? Ah, oh, ben, j'ai utilisé beaucoup de fois la règle. J'en utilise encore. Parce que je trouve que c'est l'archétype de la civilisation occidentale. De tous les chiffres, la construction, tout est basé là-dessus. Le nombre, c'est pythagoricien, mais... Donc, c'est plus en même temps, ça sert à la mesurer, ça sert à faire des transactions. C'est un archétype pour moi qui est symbole presque de la civilisation occidentale, la règle, à cause aussi du règlement. Parce que c'est un règlement, la règle. Donc, c'est aussi la dimension du règlement, c'est très important. C'est le conditionnement social, je veux dire, même les architectes, ils le savent, là. On ne peut pas mettre une poignée de porte n'importe où, là. Donc il y a des règlements. Donc, la règle aussi. Puis, c'est le manchon de la règle, parce que, en fait, compte, on peut aller. C'est pour ça que, métaphoriquement, tout est devenu une autre forme de métaphore. Donc, on peut jouer là-dessus, finalement. Ça va? Très bien. OK.